Geist sein Fleisch und Blut, was er gewonnen und erstritten, was er geleistet und gelitten, das räumet Freude ist mein Fundier.
Oh,
Oh,
dir die Jehova bietigen. Denn wo ist wohl ein solcher Gott wie du? Dir will ich meine Lieder bringen. Ach, gib mir deines Geistes Kraft dazu, dass ich es du im Namen Jesu Christ, so wie es dir durch ihn gefällig ist. Verleih mir Texter solche Güte, so wird gewiss mein Singen weggetan, so klingt es schön in deinem Liede. Und ich bitt dich in Geist und Wahrheit an, so heb dein Geist mein Herz zu dir empor, dass ich dir Psalmen sing im höheren Chor. Oh,
Seele, so wird
Ich bin mit Gott vergnügt.
Dort mir
Der Sieg ist um
Wo bleibst du?
Vergiss mein Nicht.
Gott geliebt.
Oh,
Cuenod, lorsqu'on pense à vous, on pense à la maladie française, bien sûr, on pense à Monteverdi, que vous avez enregistré en 1937 déjà avec Nadia Boulanger, mais on pense surtout à Jean-Sébastien Bach, qui fut un des grands compagnons de votre vie, parce que vous étiez un merveilleux évangéliste pendant très très longtemps, et cet album-là nous propose les Geistliche Lieder de Bach. Peut-être ignorez-vous qu'il n'y a pas aujourd'hui d'enregistrement disponible dans le commerce, à part le vôtre, de ces Geistliche Lieder de Jean-Sébastien Bach. Eh bien, ces Geistliche Lieder ont été, on me les a demandés, avec aussi Madame Rössel Majdan, qui est une grande chanteuse de l'Opéra de Vienne, mais qui avait chanté dans l'enregistrement de la Passion Saint-Mathieu avec Scherchen. Et c'est une femme qui chante admirablement bien, comme vous allez pouvoir l'entendre tout de suite. Et elle a choisi, nous avons trouvé que c'était un peu beaucoup de les faire tous, mais on a dit non, il faut les faire tous, et puis on verra après si on les met tous, et puis on les a mis tous. Mais pour les choisir, c'était très difficile. La moitié était choisie par moi et l'autre moitié par elle. Mais comment est-ce que nous avons fait? On nous a dit à chacun, choisissez-en 30 ou 40, et puis à l'autre, vous choisissez 30 ou 40 aussi, et ceux qui ont été choisis par vous deux, on décidera alors qui doit les chanter, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas de tessiture définie. Non, c'est des choses qui peuvent être chantées par n'importe quel enfant à l'école. C'est des choses
quelquefois même un peu monotones, si j'ose le dire, mais elles sont toutes très bien faites et très jolies, charmantes, mais il ne faut pas les entendre toutes à la fois, sans ça, c'est un ennui profond qu'on entend deux ou trois, et puis les choisir aussi parmi les, celles qu'on aime, ce que l'auditeur fera probablement, celui qui écoute le disque fera, il y aura des numéros et il fera. Alors elle en a choisi une quarantaine, et moi aussi. Et puis j'ai trouvé qu'il y en avait une vingtaine parmi ces 40, nous avions choisi tous les deux. Alors c'est eux, les gens des disques, qui ont choisi, eh bien ce sera Rössel Majdan qui chantera, ou vous, n'est-ce pas ? Et puis ceux que nous n'avions pas choisis, il y en avait forcément quelques-uns que ni l'un ni l'autre n'avait pris, qui étaient moins bien ou qui nous plaisaient moins que les autres, et alors on nous les a distribués comme ça. Et finalement, ça a très bien marché, mais je ne les ai jamais entendus faits nulle part. Je n'ai jamais, dans aucun radio, entendu qu'on ait passé ces disques, et je suis persuadé qu'ils ne se sont pas vendus extrêmement bien à l'époque, parce que personne n'en avait fait, personne ne l'avait dit. Ils sont sortis comme ça, et puis on les a oubliés ensuite au fond d'un tiroir. Alors, vous avez donc choisi ces pièces avec votre collègue cantatrice, et certains chants, vous auriez bien voulu les chanter. Oui, il y en a un ou deux que je chantais avec grand plaisir et qui lui ont été dévolus. Eh bien, elle les a fait aussi très bien, mais j'ai regretté de ne pas les avoir fait. Il y en avait un ou deux qui me plaisaient moins, que je chantais un peu avec ennui. Mais enfin, on s'est donné beaucoup de peine, c'est sorti, et ma foi, c'est très bien. Mais ce n'est pas à entendre les uns après les autres pendant deux heures de temps. Alors, ne découragez pas les mélomanes du présent disque, mais est-ce qu'il y a des duos ou est-ce qu'il s'agit uniquement de solos ? C'est uniquement des solis. C'est des petits chants d'église tout simples qu'on chante en allemand. Il n'y a rien de latin ou de... C'est des petites choses toutes simples. Il y en a pour Noël, il y en a pour différents dimanches de l'année, n'est-ce pas, pour certains saints. D'ailleurs, c'est très protestant. Je dis pour certains saints, c'est pas ça. C'est pour certaines fêtes de l'année. Il y en a qui sont mieux pour Pâques, il y en a qui n'ont pas de fête du tout, qui sont simplement des petites choses très humbles pour pouvoir chanter par des enfants ou par des gens dans des paroisses où on n'avait pas de collège et des conservatoires et de style particulier. Où et comment ont été réalisés ces enregistrements des Geistliche Lieder ? Ils ont été enregistrés à Vienne, je crois, en 1954 ou 5, un peu après que nous ayons fait la Passion. La Passion est de 54, je crois, et ça doit être 55 ou 56, je ne sais pas. Il y a donc environ 40 ans. Et vous étiez ensemble pour les enregistrer ? Non, non, on ne s'est pas vus. Je l'aimais beaucoup, c'est une femme charmante, qui a énormément de charme et de gentillesse. Et nous sommes très bien entendus pendant que nous enregistrions La Passion. Et puis, comme elle a choisi certains et moi d'autres, on n'avait pas besoin de se voir. Moi, j'ai fait en deux ou trois jours mes enregistrements, et elle aussi. Et voilà. Mais alors, ça me frappe un peu, il n'y avait pas d'option stylistique de départ à définir entre vous deux ? Non, je ne crois pas, parce que chacun a chanté. Nous avions à peu près le même style, elle et moi. D'ailleurs, c'est facile, parce que Bach se chante d'une façon et pas d'une autre, n'est-ce pas ? Les gens qui chantent Bach trop personnellement ne chantent pas bien. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'il faut être relativement objectif, indifférent pour chanter cette musique ? Non, pas du tout, ni objectif, ni indifférent. Mais il faut avoir chanté beaucoup de Bach déjà et un retour à la simplicité tout en gardant la forme. J'aimerais que vous évoquiez un peu l'évangéliste des Passions de Bach. Ça, c'est vraiment deux œuvres que vous avez chantées un petit peu partout, durant toute votre vie. Je vous posais une question toute bête. Faut-il avoir la foi, par exemple, lorsqu'on chante l'évangéliste et qu'on dit l'histoire de la Bible, finalement ? Ben, on a toujours la foi quand on chante quelque chose de beau au moment où on le chante. Vous comprenez ? C'est une foi qu'on emprunte à la partition. Et si la partition est aussi émouvante et que l'histoire est aussi émouvante que la passion, la foi qu'on a est quelquefois une fausse foi, mais c'est une foi du musicien, c'est une foi de celui qui est en train de faire quelque chose qui a une beauté telle qu'il ne peut pas la faire de façon indifférente. Et puis la foi, on ne l'avait peut-être pas avant, on ne l'a peut-être pas après, mais on l'a pendant. Alors, votre langue maternelle, enfin j'ai envie de dire vos langues maternelles, Hugues Cuenod, c'est le français et l'anglais.
L'allemand est une langue que vous avez apprise, j'imagine, plus tard. Lorsqu'on chante l'évangéliste et que ce n'est pas sa langue maternelle, comment ça se passe? J'ai parlé l'allemand autrefois, maintenant je l'ai un peu oublié parce que j'en ai plus l'occasion, mais autrefois j'ai parlé l'allemand assez bien parce que j'ai passé 2 ans à Vienne et que j'avais beaucoup de personnes que je connaissais avec qui je conversais en allemand, alors ça vous rend la langue beaucoup plus facile, n'est-ce pas? Mais je crois qu'il faut simplement prendre quelques leçons, ce que je n'ai pas fait d'ailleurs, mais en général il faudrait que quelqu'un vous dise, là où on parle un peu d'une façon française, d'une façon anglaise ou d'une façon italienne, je ne sais pas, quelqu'un qui n'est pas. Moi, j'ai eu, étant musicien, j'avais la facilité probablement d'écouter les accents. Et j'ai pu chanter, quand je chante en italien, j'ai même chanté en russe ou quelquefois pour des chansons populaires. Et naturellement, je suis allé voir une personne qui parlait cette langue-là pour lui demander s'il ne me trompait pas beaucoup en chose. Je ne le ferai plus maintenant. Mais je trouve qu'une langue qu'on a parlé même un peu, on peut la chanter. Est-ce que de jeunes ténors viennent vous trouver aujourd'hui pour travailler avec vous, l'évangéliste? Eh bien, j'en ai eu un. J'ai eu un ténor que je ne sais pas ce qu'il est devenu, il y a quelques années, qui est venu de Lyon travailler avec moi. L'évangéliste de Saint-Jean. Et il le faisait très bien. Et je me souviens même qu'autrefois, mon collègue et ami et grand chanteur que j'admire énormément, Éric Tapie, avait travaillé un peu avec moi et avait travaillé un peu la Saint-Jean avec moi. C'est vous qui l'avez lancé un peu dans les passions, non ? Je ne l'ai pas lancé. Mais il s'est trouvé qu'ayant travaillé là, Passion Saint-Jean avec moi, quand il était très jeune, j'ai pu un jour où je ne me sentais pas bien, où j'avais mal à la gorge et que je ne pouvais pas chanter, téléphoner à Strasbourg chez Munch et lui demander d'engager Tapie à ma place. Et Munch me disait, mais enfin, est-ce que vous êtes sûr que j'ai dit, je vous garantis qu'à moins d'un accident et que je casse la jambe ou qu'il se coupe la gorge, il la chantera merveilleusement bien. C'est arrivé, il est parti pour elle a chanté la passion admirablement bien et on lui a redemandé plusieurs fois après. Je crois que c'était la première fois qu'il la chantait, j'en suis pas sûr, il faudrait qu'on lui demande. Vous avez vu qui est Fritz Munch à l'instant et ça je crois que ça fait partie des meilleurs souvenirs des passions de Bach que vous ayez jamais chanté. Oui, Munch était un homme qui était, d'abord, il était de la grande famille des Schweitzer, des Munch, Munch son frère, n'est-ce pas, qui était Charles Munch, qui était le grand Munch au point de vue de la gestique, au point de vue de connaissance de la musique moderne, des symphonies et tout ça. Il en faisait, c'était un chef d'orchestre qui faisait ses tournées partout. Et j'ai fait une passion de Bach avec lui. Il avait le meilleur orchestre du monde, c'était celui de Boston. Il avait des chœurs extraordinaires, qui étaient les chœurs de Harvard et de Smith College, et les chœurs qu'on employait toujours pour les grandes auditions dans cette belle salle de musique de Boston. Il avait un public très élégant et qui ne connaissait pas mieux la musique que les autres, mais enfin, qui était tout de même un public beau à voir, et une salle belle à voir, et un orchestre superbe. Eh bien, ça s'est déroulé absolument sans anicroche, tout a été parfait, mais j'ai senti beaucoup moins d'atmosphère que dans la petite église, un peu de travers, de Saint-Guillaume à Strasbourg, avec des chœurs qui étaient excellents, qui avaient l'habitude et qui avaient le style de Bach, mais qui étaient, au point de vue de la pureté de la musique, peut-être moins remarquable que ceux de Boston, mais qui chantaient mieux parce qu'ils chantaient avec plus de chœurs et plus de style. Ils avaient un style encore un peu romantique, ce qu'on n'a plus maintenant pour Bach. Mais c'était ce Bach un peu emphatique, qu'on a, mais tout de même assez retenu, et puis Munch, qui n'avait pas le geste élégant de son frère, mais il y avait un courant musical qui passait à travers ce qu'il faisait, qui était beaucoup plus frappant que celui
de l'autre. Comment trouvez-vous la manière d'interpréter Bach aujourd'hui ? Ben, vous savez, je dis toujours que si Bach avait connu le piano et si Bach avait connu les orchestres qu'on a maintenant, et le velouté et le charnu des violons, etc., il aurait été enchanté d'avoir ces gens plutôt que des gens qui grincent un petit peu quelquefois et des clavecins un petit peu maigres. Mais je pense qu'il aurait aussi composé de façon un peu différente. On ne peut pas savoir, n'est-ce pas ? Je crois que la musique du temps peut être faite avec les instruments du temps, mais qu'elle sonne presque mieux avec les instruments de maintenant. C'est un petit peu difficile de décider si les compositeurs auraient voulu de cette façon-là. Mais s'ils avaient entendu, pour vraiment des orchestres d'à présent, dans la musique, ils ont trouvé qu'il y en avait trop. Il y a trop de musiciens dans l'orchestre, en général, pour faire des cantates de Bach et des choses simples. Les petits orchestres sont mieux pour ça. Et je n'aime pas les grands chefs qui font des grandes choses. Moi, c'est ce qui était arrivé à Boston avec Saint-Mathieu. Il y avait trop de gens dans l'orchestre, il y avait trop de gens dans les chœurs. Mais ils étaient parfaits.